Je m'appelle Malipone. Moi, j'ai 19 ans. Dans ma famille, on n'a pas beaucoup d'argent. Je rêve de pouvoir m'acheter plein de vêtements. Il y a que mon frère qui travaille. C'est difficile. Ma sœur est partie en ville travailler. J'ai peur pour elle. Je suis l'aînée d'une famille de 5. J'habite dans un petit village dans la province d'Oudomsaï. J'aimerais tellement aller vivre en ville. Mes parents, ils sont agriculteurs. J'aimerais devenir un médecin. J'espère vraiment pouvoir trouver du travail sur la capitale. Je fabrique des lampes. Je les vends au marché de nuit. Et c'est grâce à ça que je gagne de l'argent. Bah moi, mon père, il est très malade. Alors, comment tu te sens? Ça va pas très bien. Ah, mais je vois, t'as la fièvre encore. Mais tiens-toi bon, on va essayer de faire quelque chose. Ouais. On va essayer de t'amener à l'hôpital. On va essayer de trouver de l'argent. Mais on a plus d'argent pour aller à l'hôpital. Je sais, mais peut-être je vais discuter avec les enfants, peut-être... Ils vont m'aider. Peut-être qu'on va trouver quelque chose, une solution. D'accord. Bon, je vais aller le voir. Ok. Bon, papa ne va pas mieux. Les médicaments, on n'en a plus, mais de toute façon, on n'a pas d'argent pour acheter quelque chose d'autre. Il faut l'amener à l'hôpital, sinon il va mourir. Et on n'a rien. On n'a strictement rien. On peut rien faire. Bon, moi j'ai réfléchi, maman. Je vais aller travailler. Faut que je remplace papa. Mais t'es encore trop jeune pour travailler. Mais tu vas pas aller travailler à ton âge. Bon, va, je vais dans le jardin, je vais discuter avec ta sœur. Tu sais... Je peux trouver un deuxième métier, c'est pas grave, comme ça toi tu peux t'occuper de petit frère, c'est bon. Tu vas pas aller trouver un deuxième métier, tu travailles déjà tout le temps. Mais on a... je sais pas, je vois pas d'autre solution. Tu sais, je vais essayer de trouver un travail en ville. Mais tu n'as même pas fait des études, comment tu vas aller travailler dans la ville? Oui, mais je gagnerai déjà plus d'argent qu'en travaillant ici. Puis... Maman, il y a la cousine qui est arrivée. Ça va, Eddy. Bon, va voir papa. Et est-ce qu'il va mieux? Non, il ne va pas mieux. Il faut l'amener à l'hôpital, mais on n'a plus d'argent, on n'a rien. Est-ce que tu as pensé à ma proposition que je t'ai faite de venir travailler avec moi en Thaïlande? J'ai pas osé t'en parler en fait, mais ouais. Aller en Thaïlande, mais c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. Je travaille dans un restaurant. Ah, dans un restaurant! Donc elle n'a pas besoin d'avoir des études ni rien? Non, pas du tout. Mais j'ai peur quand même, c'est aller dans un autre pays quand même. Mais ça va, un restaurant, va rien se passer de grave. Oui, oui, il n'y a pas de souci, elle sera avec moi. Ah, mais si elle va avec toi, oui, ça me rassure. Mais oui, je suis d'accord, de toute façon, on n'a pas le choix. Le repas est prêt. Bon, Noy, ta mère et moi, on a pris une décision importante. Et on s'est dit que t'allais faire tes études en ville. C'est vrai, vous voulez bien? Noy, c'est trop bien, je suis super contente. Attends, mais quoi? C'est inutile. Mais pourquoi tu dis ça? Nous, on fait confiance à ta soeur. Elle va jamais réussir, tu sais bien. Bah justement, si, on compte vraiment sur toi, Noël. Tu sais, si on t'envoie à Vientiane, c'est parce qu'on a espoir en toi et qu'on pense que tu peux réussir. De toute façon, si tu y vas, c'est pour travailler. Hein. On est focalisé sur tes études. Hein. Et donc, on a déjà tout arrangé avec ta tante. Voilà, ta tante t'accueillera, t'hébergera à Vientiane. Et il faudra bien sûr l'aider dans les tâches ménagères, etc. Ça, tu sais faire. Mais surtout, on te fait confiance pour bien gérer l'argent qu'on te donne parce que tu sais que c'est un gros sacrifice pour nous quand même.
Mais non, mais t'as pas vu toutes les filles qui partent là? Elles font tous n'importe quoi là. Oh, t'exagères quand même. Allez, tu nous achèteras comme des petits cadeaux. Justement, fais attention avec l'argent. Et le soir aussi, ne sors pas trop tard. Ne fais pas la fête. Concentre-toi sur tes études, tu sais. Ouais, on, te fait confiance là-dessus. Hein. Tu fais attention à tous les garçons. Tu fais vraiment attention. D'accord. Oh, bye, bye, bye. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, est-ce que vous avez l'état du mariage? Eh ben... Justement, en parlant de ça... On pensait reporter. D'ici à quelques années, en fait. Mais des années? Vous allez faire quoi? Je compte partir à la capitale pour étudier et pour trouver un bon travail. Si c'est une question d'argent, on peut te prêter. Non, c'est pas ça, c'est que les champs, le riz, d'accord, mais je crois qu'il faudrait qu'on soit dans une situation confortable. Et si je vais à la capitale, j'aurai des connaissances, j'aurai un bon travail. Quand je reviendrai, on sera dans une bonne situation, vous tous, nous tous. Et je fais ça pour vous, et parce que je vous aime, et voilà. Mais je reviendrai, promis, je reviendrai. Mais j'ai déjà dit à tout le monde, à tout le village. Qu'est-ce qu'ils vont penser maintenant les gens? N'oubliez pas de rendre vos essais la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Oh, quand même, c'était super dur. J'ai mis la tête. Super intéressant. Ouais, c'est ça. Je trouve trop intéressant, vraiment. Vraiment, c'est trop bien. Bon, sinon, un autre sujet, ça va comment la nouvelle vie ici? C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est immense, c'est trop bien. Il y a plein de choses à faire. Et du coup, tu dors où? T'es chez qui? Je suis chez ma tante. C'est mes parents qui m'ont dit d'aller là-bas. Et c'est assez cool et tout. Mais vous êtes... Bah du coup nous deux on est en coloc, comme ça on paye moins et en plus on est ensemble donc on fait plein de trucs. C'est... Ouais c'est ça, je pense que c'est grave bien. Franchement tu devrais essayer. Hein, et toi? Et moi bah justement je recherche une colocataire. D'accord. Bah si tu veux tu peux venir avec moi en fait. Ok. Bah vraiment genre c'est trop bien parce que ici la ville surtout genre vu qu'on est colocataire on a plein d'argent. Bah ouais, en plus, là, il y a le nouveau centre commercial qui a ouvert, on pourrait aller voir au cinéma, là. Ah, mais moi, je suis jamais allée, ce serait trop bien. Bah ouais, on a qu'à faire ça, franchement, c'est pour Par contre, moi, je vais devoir y aller avec le travail et tout ça, j'ai un peu peur. Ah, tu travailles? Ouais, je vends des bières dans un beer garden. C'est vrai? Ah, c'est trop bien, et tu savais bien et tout ça? C'est pas trop fatigant avec les cours? Non, ça va, ça paye bien. Et vu que c'est après les cours, ça va, j'ai le temps de réviser. S'il voudrait que je trouve quelque chose, si après je veux faire une coloc ou quoi que ce soit... Si tu veux, je peux te présenter. Hein. C'est vrai, ça te dérange pas? Ouais, t'inquiète, tu cherches toujours du monde. Ok, ça marche. Bon, bah vous passez au bar? Ouais, c'est ça, on se voit ce soir. Bah oui. Alors c'est toi, la cousine du Laos? D'accord. Bah, contente de faire ta connaissance depuis le temps que ta cousine nous parle de toi. Effectivement. Ouais, vous avez vu, hein, elle est toute mignonne. Ouais. Il y a un petit potentiel, hein. Bah, c'est sûr, là, dis donc. T'es contente d'être venue en Thaïlande? Bah, ouais. Bah, Mayel m'a un peu expliqué et tout. Ouais. Bah, le travail, c'est pas très compliqué, hein. Après, tu prends vite l'habitude, etc. Bon, bah, après, t'as dansé sur les tables, hein. Dans sur les tables, du coup? Bah, c'est un peu ça. Oui, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon bah en tout cas si t'as besoin de quelque chose n'hésite pas, des fois c'est un peu compliqué, bref on est sûr là. Ouais. Et bah d'ailleurs. De toute façon tu vas voir le patron là non? Oui on va aller le voir tout à l'heure ouais.
Ok, bah. Il va t'expliquer tout ça. Ouais. Nous, on va aller travailler. Bon, bah, allez, c'est ça, au revoir. Oui, donc, c'est pas vraiment un restaurant, c'est plutôt un bar. Et tu vas devoir danser sur les tables. C'est ce qu'on fait avec les filles. On danse sur les tables, on essaye de faire plaisir aux garçons. Ils viennent souvent le soir pour prendre quelque chose à boire. Et donc du coup, c'est ce que tu vas devoir faire et tu vas gagner beaucoup d'argent, tu sais. Okay. Et si jamais tu as envie d'aller un peu plus loin et gagner un peu plus, bah, tu me diras. Ouais, je t'en reparlerai. Ah ben, donc voilà le patron. Bah salut, c'est la... Oui, ma petite cousine du Laos. D'accord. Oui, eh ben, oui. Bienvenue en Thaïlande. Ouais, t'as déjà fait ce genre de travail? Non, pas trop. Non, c'est la toute première expérience. Bah, donc ouais, y a un sacré potentiel. Donc, elle t'a déjà expliqué? Ouais, voilà, tu vas danser sur les tables, les garçons, ils ont pas le droit de toucher. Sauf si tu sens un petit biais, là, tu peux te laisser faire, ça nous fait plus d'argent. Et puis une fois que t'es à l'aise, on va pouvoir aller au niveau supérieur. Allez, je vous retrouve lundi prochain. Et regardez les filles, regarde le rosier que j'ai aussi acheté. Tu sais, j'ai aussi acheté juste à côté là. Je suis passée là. Oui, tu sais, on était passé devant. Oh, c'est trop bien, il y a plein de fois qu'on allait en acheter d'autres. Mais j'aime trop, faudrait trop qu'on les achète. Oui, c'est trop beau. Mais non, mais du coup, c'est trop bien. Il y a plein de magasins, vous pouvez acheter plein de trucs. Et ouais, tout. C'est vrai que c'est sûr, c'est pas qu'on a. En plus, vous avez vu ma nouvelle robe? Elle est super bien. Elle est super jolie. Mais elle vous va trop bien aussi. Oui, ça fait des jolis habits. Ouais, c'est joli. Et sinon, l'appartement? Bah du coup... Bah, on habite ensemble. C'est trop bien. Ça a été un peu compliqué, j'ai dû négocier avec mes parents, mais ma tante, elle était d'accord, donc c'est trop bien maintenant. On peut sortir tout le temps, on est indépendants, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. D'ailleurs, par rapport à samedi, on ressort, vous voulez sortir? Bah bien sûr. Bah, puis on sait très bien pourquoi vous voulez sortir, hein, pareil. Ah, alors, par rapport aux garçons, là... Bah disons plus, allez, non, mais ça, va, bah, ça se passe bien. Tu l'as repris. Et toi alors? Bon mais du coup oui, bon bah on sortira samedi alors. Bah oui. Tu dis plus rien là. Toi aussi hein. Allez, c'est l'heure. Bon mais vous êtes bien belle hein. Bon on a beaucoup de clients ce soir, donc on y va hein. On sert la bière, on sourit. Et surtout, mais surtout je vois personne partir avec un client, d'accord? Je compte sur vous, hein. Allez, pas mal. Bon, du coup, ce soir, on fait quoi? Bah, on est vendredi soir, on sort, hein. Enfin, forcément. Bah, ouais, comme d'habitude. Ah. Bah, sans moi, les gars, sans moi. Non. Encore? Allez, enfin, ouais, t'es jamais sorti avec nous, c'est pas mais très oui, cool, hein. Juste une fois, s'il te plaît. Non, mais les gars, vous savez très bien. Moi, si je suis venue à Vientiane, c'est pour étudier. Rien de plus. Mais oh. Allez, sors un peu, tu t'es jamais sorti. Non, oui. C'est gentil, mais non, franchement, c'est, ça c'est va. Quand même Vientiane ici. Enfin, ouais. C'est bien pour étudier, mais c'est surtout bien pour s'amuser, pour faire la fête. C'est quand ça, même. Tu mais travailles oui. Trop, à un moment, faut faire une pause. Mais quoi. Oui, en plus, tu sais, il y a des petits beaux gosses, hein. Ouais. Non, mais vous savez très bien, j'ai mon copain, il m'attend chez moi. C'est on va bientôt se marier. Ton copain, c'est pas ton copain de la campagne. Ah ouais, ton copain de la campagne. Il est loin, puis il va pas savoir. Mais oui, en plus, les garçons ici, ils ont un petit travail, ils ont de l'argent. Franchement, tu pourrais venir avec nous juste pour cette fois, quoi. Ouais, vraiment, allez. C'est bon. Puis on rentrera pas tard, tu pourras travailler un peu quand tu rentreras. Bon, je viens, mais on m'offre la bière. Allez. Allez. À ce soir. Bah, ce soir. Ouais, ce soir. Maman, papa, je suis là, Maïdi. Ça faisait longtemps. Ça va. Bah, enfin, je t'ai dit ce que je veux faire. Enfin, je suis dans la vie. Oh, t'es pas trop fatiguée quand même? Si, ça change beaucoup. Ça nous fait plaisir. Oui, c'est sûr, on est contents. Tu te réalises, on t'envoie assez d'argent? Oui, ça me suffit beaucoup. En plus, les professeurs sont contents de moi. Je suis vraiment contente. Mais t'es pas trop fatiguée? T'as l'air tout... Mais mais ça c'est peut-être à cause du bus, la clim ne marchait pas, ça faisait tellement chaud. Mais du coup alors... Les études, ça se passe bien, les études. Oui. On t'envoie assez d'argent? Oui, ne vous inquiétez pas. Et en plus, j'ai trouvé un petit travail, donc ce n'est pas grave. Ah,
si t'as besoin de plus d'argent, oui, tu... oui, c'est juste jusqu'avant 3h du soir, ouais, c'est pas grave. C'est tard quand même. Ah non, c'est pas grave. Après, je vais avec tous mes amis, donc c'est bien, c'est cool. Ah oui, mais t'as le temps de travailler quand même. Oui, de 23h jusqu'à 1h du matin, donc c'est oh là, j'ai... C'est tard ça. Oui, non, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ton travail? Ah, je travaille juste dans un petit restaurant, un beer garden. Beer garden? C'est le truc où les femmes, elles... Ah mais non, je ne danse pas si, sur si, les si, tables. Si, c'est là où les femmes... Oui, elles, je prends des pierres, c'est ça. Non. Je monte pas mon Non. Tu peux pas faire ça. Non, c'est... Tu peux pas être comme ces femmes-là. C'est juste indigne. Tu peux pas être comme ça. T'es la honte de la famille. Allez, viens, on y va. Le temps passe. Quelques mois plus tard. Tu sais, je voulais te demander quelque chose parce que même avec l'argent que j'envoie à mon papa, bah, ça fait pas assez et ils ont pas assez d'argent. Donc, Oui, tu sais, on en avait parlé un peu. Si tu veux gagner un peu plus d'argent, il faut que tu ailles plus loin. Si quand tu danses sur les tables, il y a un client qui a envie... d'aller plus loin, tu vas avec lui à l'hôtel, tu lui donnes ton prix et il va te payer et tu lui fais plaisir. Je sais que ça va être dur au début, mais tu vas y arriver. Pense à ton père, il a besoin de cet argent. Ça va être difficile, mais tu vas y arriver. Ouais, ok. Alors les filles, comment ça se passe? Ça va très bien. Ben, la cousine, elle a envie d'aller un stade plus haut. Ah, c'est bien ça. Non, parce que t'as du potentiel. Hein. Ah, c'est intéressant ça, ça va nous faire plus d'argent, c'est bien. Bon allez, ça va être une grande étape. Ça va être dur. Hein. Tu vas commencer tout de suite, même je dirais, par aller voir les clients. Tu m'as l'air un peu fatigué, tu m'as l'air un peu stressé, j'ai l'impression. Et tu connais l'IABA? Bah, c'est une sorte de médicament en gros, tout simplement. C'est simple, tu prends, et puis tu vas voir la pêche. Tu vas être détendu en même temps et puis tu vas oublier tous tes problèmes, tout simplement. Donc je t'en prends une dose gratuitement, hein. Tu peux prendre ça déjà. Et puis si t'en reveux, bah, tu viens me voir et je te fais un petit prix. Ah, il était hyper bon, le resto. C'était pas trop cher, donc on va demander. Ouais, 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 ça c'est bien. Trop de nouvelles. Je voulais vous parler d'un truc. Vous vous rappelez le garçon que j'ai rencontré Tu sais le colin? Ah, celui qui a 40 ans. Oui, enfin, il a 38 ans, mais oui, tu sais, je l'avais rencontré quand on faisait un service il y a 6 mois. Il y a 6 mois, oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Bah, tu sais, on est toujours en contact et on est tout le temps ensemble. Ma tête a ménagé. Bah oui, c'est trop cool. Il est vraiment trop sympa, je l'aime vraiment beaucoup, il m'offre tout ce que je veux et ça se passe super bien, sauf que bah, avec mes études, plus le travail, plus vous, bah, je le vois pas beaucoup. Et, tu vas avoir un enfant avec lui? Je sais pas, mais du coup, bah, je me disais qu'il fallait peut-être que j'arrête. Bah c'est évident, oui, bah, là, ça fait beaucoup trop de choses à te préoccuper en plus. Bah ouais, faut que t'arrêtes. Hein, bah oui, voilà. Tu n'avais quand même pas arrêté ta relation avec lui? Non, je vais pas arrêter de le voir, au contraire. Je vais arrêter mes études. Attends, mais non, mais arrête pas tes études. Arrête le travail si tu veux, mais surtout pas les études quand même. Non, enfin, les études ça me sert plus à rien. Je suis avec lui, il m'offre tout ce que je veux et bientôt j'arrêterai le travail, mais je continue. T'es sûre de ta relation avec lui quand même? C'est l'homme de ma vie, il est sympa, il a de l'argent, il... Franchement, justement, arrête le travail s'il te donne tout ce que tu veux.
C'est illogique. Bah, alors, avec les deux, bah oui, c'est voilà, ça. Pour moi, s'il a tout. Mais travail, ça lui permet d'avoir quand même un peu d'argent. Voilà, et comme ça. Bah oui, mais les études, attends, tes parents se sont sacrifiés quand même. Mais oui, mais ils veulent que je sois heureuse et c'est avec lui que je veux faire ma vie, c'est avec lui que vous je suis. Vous êtes même pas heureuse. Content pour elle, je suis trop con. Attends, quand elle va nous inviter au mariage. Mais ça, tu précipites un peu trop là. Voilà, voilà. Nous, on veut qu'elle fasse une bonne décision pour elle, justement. 6 mois. En plus, il a de l'argent. Bah oui. Et puis, du coup, si elle garde son travail. Bah, on, voilà quoi, elle a toujours un autre plan. Non, mais de toute façon, il n'y a pas à discuter. Je suis sûre de ma décision et je vais arrêter les études. Chérie, faut qu'on parle de quelque chose. Bah, de quoi? Tu sais, je crois que quand on le fait, bah je crois qu'on le fait mal. Mais, enfin, comment? Enfin, tu vois, on se protège pas et... Non, attends. Enfin, j'ai entendu des rumeurs, enfin, comme quoi il y avait des virus, des maladies, des mauvaises ondes, des trucs comme ça, et puis ça me fait peur. Mais enfin, tu sais bébé, je t'aime, enfin, on peut pas. Moi je t'aime, on peut pas se protéger quand on le fait, ça marche pas. Et quand on le fait, moi j'aime pas la sensation après, je sais pas, ça te dérange un peu. Du coup, enfin, je veux bien faire des efforts, mais c'est compliqué, mets-toi à ma place, tu vois. Quand je vais en acheter au magasin, après il y a tout le monde qui te regarde, et puis les vendeuses, c'est toujours un peu défi. Du coup, c'est vraiment la honte, tu vois, c'est compliqué. D'acheter des préservatifs? Bah oui. Et puis... Non, mais je sais, mais imagine, je tombe enceinte, moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'étudie. Mais tu sais très bien que pour l'instant, on fait le retrait et ça marche très bien. C'est vrai. Mais écoute, si tu veux, mon pote, il m'a déjà parlé d'un truc, je crois, c'est la pilule ou quoi. Et je veux bien essayer de m'en débrouiller pour t'en trouver ou quoi. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Ouais. Chérie, oh, je t'aime tellement. Ça va alors? Tu te sens bien? Bah ça va, mais tu sais, enfin, je t'en ai parlé un peu, mais j'ai un peu, enfin, j'ai mal au ventre et à la tête depuis quelques temps et tout, donc, enfin, est-ce que ça vous fait ça aussi vous, parfois? Oui. Ouais, des fois, bah des fois tu sais on mange mal ou quoi. Oui, mais ça a jamais non, quelque chose de grave. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Enfin, je me demande si ça a pas un rapport avec les clients parce que bah c'est vrai qu'on se protège pas et tout. Ah, si, on demande tout le temps. Ouais, tu sais, on essaie de leur demander de se protéger, mais c'est eux qui payent, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais t'imagines, je suis malade à cause de ça. Des fois, tu peux juste prendre un petit cachet et puis ça passe, tu sais. Faut pas t'inquiéter. Mais là, ça passe pas quand même. Enfin, peut-être que faudrait que j'aille voir le médecin quand même au cas où. Aller voir le médecin, mais tu peux pas. Je te rappelle que t'es illégale en Thaïlande. Oui, je sais, mais si je suis malade. Faut bien que j'aille voir quelqu'un. Attends au moins que tu rentres à Vientiane. Tu peux pas ici, t'es sans papier. C'est trop dangereux d'aller te faire voir chez le médecin. En plus, imagine, enfin, je pense pas que tu sois malade, mais voilà quoi. Mais oui, ils vont te renvoyer au Laos si t'essayes. Ouais, et puis là... Non, t'auras plus d'argent, pense à ta famille, moi je te dis... Oui, mais si tu veux, on ira à la pharmacie et ça va passer. Ouais, peut-être qu'on va te donner un cachet et... Ok, ça va passer, non. Vous êtes sûre quand même? Oui, t'inquiète pas. Ben, on va à la pharmacie. Ouais, on va quand même. Ok, allez voir. Madame, votre test est positif. Vous avez le sida. Madame, votre test est positif. Vous êtes enceinte. Madame, le test est positif. Vous êtes atteinte d'une infection génitale. Non, mais ne m'approche pas, on ne sait jamais. Faut que t'arrêtes tes études. Mais vous mettiez pas de préservatif? Eh, mais c'est qui le père? Ta maladie est mortelle. T'as qu'à te faire avorter. Je connais quelqu'un qui pourra le faire.
T'es la honte de la famille. Surtout, lui dis pas, sinon il va te lâcher. Faut que t'ailles au Laos pour te faire soigner. Et de toute façon, il voudra pas le garder. Oh, stop, stop, stop! Non, mais c'est triste tout ça. Heureusement que dans les entretiens qu'on a lus, il y a des filles qui continuent à faire leurs études. Oui, enfin bon, elles poursuivent leurs études, mais en attendant, quand elles ont des rapports, elles se protègent pas. Et il y en a tellement qui sont pas dépistées, quoi. Enfin, est-ce que ça existe ici, des tests VIH? Puis de manière générale, enfin, les mecs, ils se la coulent douce, quoi. Oui, mais bon, elles ont quand même besoin d'argent, alors quitte à continuer les études ou le travail, évidemment, elles vont continuer le travail, enfin, c'est pour envoyer à leur famille, quoi. Heureusement, il n'y a pas ce genre de problème en France, je veux dire, on est plutôt bien informés. Mais c'est n'importe quoi. Attends, si on était bien informés, le nombre de personnes atteintes du sida, bah, il l'augmenterait pas tous les ans, hein. Non.